sont montés en première division. Alors la compétition des équipes, donc avec Sanson, avec Murat qui jouera arrière, José Cobos qui avait été un instant en délicatesse avec une cheville jouera. Bien, Pascal Rousseau est donc dans les buts. Le Diz avait été blessé, mais il sera quand même présent avec Michel Serin comme stopper. Arnold Lesterberg, c'est le capitaine de cette équipe. Système, donc le... voilà, c'est parti. 4-3-3. 4-3-3 pour Rennes et puis et il s'appuie Strasbourg. 4-3-3 aussi. Ouais, avec donc les Strasbourgeois en bleu, avec Leboeuf, le stopper, avec son numéro 10. Et il faut bien dire que Strasbourg s'appuie sur une défense très solide avec Kechi qui a la balle. Donc je vous le disais, c'est l'ancien stopper dans l'air qui perd la balle. Qui perd la balle, qui est reprise par Šišković, qui arrive tout seul. D'entrée haut, quel bel arrêt. Bel arrêt de Sanson, qui avait été remarquable Sanson au cours du match aller. Ah, merci pour le cadeau sur... Murat qui lance de l'autre côté avec Cobos qui va pouvoir centrer dans dégagement de la tête de Ripoll. La porte de Ripoll et un ballon qui est toujours pour Perron maintenant. Perron qui recentre, intervention de Stever pour Perron toujours. Oh, il souffre en ce moment les Rennais. Et but. Est-ce que tout le monde a regardé le juge de touche qui ne dit pas que Cobos était hors jeu et premier but pour Strasbourg. À la cinquième minute de jeu, donc premier but de Cobos dans un stade de la Méno. Tout le monde s'est arrêté car du côté de Rennes, on a cru hors jeu. On le revoit. Non, pas au départ du ballon. Je crois que les images parlent tout à fait nettement puisque au départ du ballon, il n'était pas hors jeu. Et c'est vrai que voilà, donc on peut dire maintenant le match totalement qui change évidemment de physionomie puisque les Rennais n'ont plus d'autre solution s'ils veulent conserver leur place d'égaliser. Regardez, on revoit ce centre de Keller suite à une bonne pression. Il vient de derrière. Il vient de derrière. Cobos très offensif qui vient de derrière et qui marque donc le premier but pour le Racing de Strasbourg. Une chose est sûre, nous n'aurons pas de prolongation. C'est ça, donc je crois que pour l'émission qui va suivre, il n'y aura aucun problème s'il n'y a pas une panne d'électricité. Et il est certain donc qu'au bout de 90 minutes, nous connaîtrons celui qui restera et ou qui accédera en première division. Strasbourg, tous ces... Les joueurs ne sont pas habitués à des matchs aussi importants et pour l'instant ils dominent leur sujet comme de vieux briscards. Estévert. De l'autre côté pour Rico, Rico pour Chala. Chala, faute. Faute de Perron. Plus rapidement. Le ballon qui revient sur Estévert. Estévert qui change tout pour le Dizer. Là, on essaye d'écarter le jeu du côté du Stade Rennais. Avec Huard qui finalement tire de le Dizer, égalisation. Superbe tir de le Dizer là qui a surpris tout le monde, y compris Sanson. On va revoir Georges Geoffrey, ce but de le Dizer, cette frappe de balle, regardez bien. Il est au moins à 25 mètres, il prend sa chance. Un véritable boulet de canon, pleine lucarne. Et égalisation donc. Après 10 minutes de jeu, eh ben dites-moi, quel match? Oui, tout à fait, d'autant plus qu'on peut dire que la défense strasbourgeoise est restée un peu empruntée, pensant qu'il allait donner le ballon à son adversaire qui était excentré sur la gauche. Et en fait, il y a eu ce but et ce tir tout à fait remarquable. Le public et à la fois l'équipe de Strasbourg pour l'instant. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a une folle ambiance sur ce stade, même s'il y a quelques applaudissements, ce qui est normal. Mais là, on n'a plus... La hola d'avant-match n'a pas été renouvelée. Perron. Face à Ripoll, il y avait Kechi. Kechi. Oh non. Oh oui. Ce tir extraordinaire de Kechi. Je le voyais loin, il était au moins à 30 mètres. Il a surpris complètement. Rousseau pour le deuxième but de Strasbourg. Ah, c'est incroyable, décidément. Ouais. Ah, c'est fou ça. Quand j'ai vu Kechi prendre son élan à 30 mètres, j'ai dit « Oh non !» Et finalement, ce but est allé se loger. Regardez, on n'a pas l'impression d'une grande puissance. En plus, c'est une balle qui tombe. Mais on a surtout l'impression d'une grande technique. Et puis, Pascal Rousseau était déjà parti, c'était trop tard. Et c'est vrai que là, voilà un but tout à fait inattendu dans la mesure. Et les Rennais qui maintenant ne jouent plus du tout le temps, puisque les voilà qui se précipitent en attaque. Avec Östevert qui lui, vous voyez, n'hésite plus à franchir la ligne médiane, mais qui vient de se faire subtiliser le ballon avec cette contre-attaque rondement menée. Le pressing de ces trois Alsaciens a failli être payant. Poliken derrière pour Keller. Pour Leboeuf, pardon. Leboeuf a une balle pour Keller justement. Keller
qui va marquer. Oh, sauvé. Oh là 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 là, incroyable. Quelle superbe action de jeu et aussi quel beau réflexe du défenseur rennais. C'est Sora qui a sauvé cette balle, mais regardez. Keller qui prend de vitesse, qui évite Rousseau là. Et Serin qui se replie, Keller croit qu'il va marquer, regardez, hop, du bout du pied. Oui. Serin qui a sauvé son équipe pour Oesterweer. Oesterweer, longue balle pour Chala aux prises avec Keshi. Dallolio qui vient à la rescousse et qui dégage. Serin qui a été surpris, c'est Keller qui va vite, c'est Keller. Face à Oesterweer, il joue de côté, c'est bien joué. Avec Payard qui va. Troisième but de Strasbourg, superbement joué de la part de Keller. On va le revoir, Georges Geoffrey, mais que c'était bien joué. Vraiment une action aussi encore remarquable à la fois de Keller qui vient de se payer le luxe en quelques minutes de deux actions que l'on voit très peu souvent sur un terrain de football, qui a joué très intelligemment avec cette ouverture et ce but qui est imparable. Alors là, je peux vous dire que c'était le rêve de Payard que de marquer contre son ancienne équipe, l'équipe qu'il a jetée au début de saison. Et le troisième but de Strasbourg, donc remarquablement joué par Keller pour Payard, qui lui aussi joue très bien face à Rousseau qui est sorti. Et une défense de Rennes prise de vitesse. Et lequel Payard, Bernard, est aussi un défenseur. Eh oui. Encore un but de défenseur, c'est quand même incroyable. Entre les jambes de Rousseau qui ne pouvait absolument rien faire. Et ça fait 3-1, c'est-à-dire que Strasbourg est dans sa moyenne. Et puisque vous parlez de moyenne, on va continuer sur les mathématiques. 3 plus 1, 4 buts. Geoffrey nous propose de revoir. Non, ça c'est la dernière action, c'est l'attaque de Strasbourg avec Murat. Murat qui cherche son deuxième poteau à Montzuc, c'est bien joué. Mais l'angle est vraiment très fermé là. Tant de surprise de volée. À la papa. On reprit le match, les Strasbourgeois attaquent par Poliken. Poliken pour Perron, Perron pour la tête de Montzuc. Oh, le bel arrêt. Le bel arrêt de Rousseau. Alors les Strasbourgeois réclament le but car ils estiment que Rousseau est tombé avec le ballon derrière la ligne. Alors voilà, regardez bien. Je pense que c'est lui qui est derrière la ligne, mais pas le ballon, puisqu'il faut qu'il ait franchi complètement la ligne de but. La belle tête de Montzuc. Voilà, ben Bernard, c'est indiscutable. Bien vu de la part de M. Frazi. Ouais. Et Rennes à l'attaque. Et obtient le corner. Le Lio. Avec le Perron. Perron, bien joué. Poliken, Perron. Au deuxième poteau. Oh, et c'est remarquable. Superbe but. Quatrième but de l'équipe de Strasbourg sur cette action. Keller, Poliken, et c'est un nouveau but de Payard. Oui. Payard qui marque le quatrième but suite à une action absolument remarquable. Ah, c'était vraiment une action technique superbe. Un but bien amené. Et puis cette conclusion avec cette tête plongeante qui nous réconcilie avec le ballon rond et qui effectivement, Bernard, est digne de remonter à toutes les écoles de football, d'autant plus qu'une fois de plus, d'ailleurs, c'est un défenseur qui a marqué son cinquième but. Regardez le Perron là, qui a complètement effacé le Dizer, qui va bien donner sur la droite à Poliken, qui lui remet le ballon, et le centre de Keller va trouver la tête plongeante de Payard. C'est superbe. Vraiment une formidable conclusion pour cette rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Quel dommage que deux photographes qui sont inexplicablement sur le terrain, les délégués, M. Michel Villanova-Valzac, là font la police. Et on a revu sous tous les angles, grâce à notre ami Georges Geoffrey qui est aux manettes de nos amis de la SFP aujourd'hui. Eh bien, quatrième but donc de Strasbourg marqué par Payard. Deux buts de Payard qui doit être ivre de joie. Je pense qu'Olivier Rey, du reste, l'interviewera à la fin de la rencontre car lui, l'ancien Rennais, venir mettre deux buts. Enfin, nous l'a montré, du reste, toute la nervosité de Gilbert Gress avec une attaque en tort de Payard qui aurait été avec Keller là qui était sur ce ballon.
l'un des héros de cette rencontre, même si Keller n'a pas marqué. Okay. Alors que les supporters commencent déjà à envahir le terrain. Ouais, c'est... Ah, alors là, ça pose problème peut-être. Ouais, surtout pour un stade que l'on dit aussi en avance sur le plan de la sécurité. On a l'impression qu'ils franchissent allègrement les barrières derrière les buts de Pascal Rousseau, même s'ils viennent sans intention belliqueuse, comme l'on peut s'en douter. Et tout ça pour fêter donc l'accession de Strasbourg, et toujours maintenant le leitmotiv, on a gagné. Et c'est fini, monsieur Harel récupère le ballon. Gilbert, un mot. Olivier Rey à la poursuite. Gilbert, juste un mot. Ça vous fait quoi? Bien, écoutez, d'abord je peux dire que je suis heureux pour ceux qui nous sont chers, parce que c'est pas très agréable toujours de vivre avec moi. Et puis, je suis très content pour le public. Et puis, je n'oublie pas quand même que j'ai passé des moments très difficiles ici durant cette année à Strasbourg. Voilà. C'est le plus beau jour de votre vie? Bah, écoutez, ça, je vous réponds. D'accord, merci. Très ému, hein. Très ému, Gilbert, alors que c'est la fête. Très ému. Hein. Oui, sur la pelouse de l'Améno. Strasbourg, en fait, je crois qu'il va y avoir beaucoup de bruit dans la ville, car tout le monde attendait ça depuis longtemps. Alors si vous le voulez, en conclusion de cette rencontre, nous allons...